L'autre jour, j'étais en pleine session d'examen et je connaissais pas du tout la matière. Et donc, j'ai dû appeler un ami pour pouvoir recevoir de l'aide de sa part. Sauf que, il n'était pas disponible. Donc, j'ai dû aller jusque chez lui. J'ai sonné et là, il n'était pas là et c'est sa mère qui m'a ouvert. Sauf que sa mère était en maillot de bain et c'était vraiment pas très joli à voir. Mais bon, bref, ça, c'est pas important. Je suis rentré, j'ai voulu toquer dans sa chambre. Il n'était pas là, donc j'ai volé son cours de mathématiques. Sauf que en prenant son cours de mathématiques et en rentrant chez moi pour étudier, je me suis rendu compte que en fait, j'avais oublié mon manteau chez lui. Donc quand lui allait rentrer chez lui, il allait voir que mon manteau était resté chez lui. Or, j'étais pas censé être chez lui. Donc il est rentré, il a vu ma veste et il m'a passé un coup de fil en me disant ouais, Soufiane, j'ai ton manteau chez moi alors qu'on s'est pas vu. Comment ça se fait? Et donc je lui ai expliqué qu'en fait sa maman voulait que je vienne passer l'aspirateur parce que elle avait beaucoup de travail et donc je devais l'aider. Sauf que, en fait, sa mère était à côté de lui au téléphone et elle a entendu que c'était un mensonge. Donc j'ai dû tout lui raconter et il est venu rechercher son cours de maths. Sauf que, à ce moment-là, moi, j'avais plus le cours. Donc j'ai dû aller chez un autre ami. En allant chez cet ami, je me suis fait déféquer dessus par des pigeons. C'était vraiment pas très agréable. Et voilà, en gros, c'est ça.